Bonjour. Bonjour. Alors vous nous présentez votre bolide. Donc qu'est-ce que la marque Hexagon ? Ce sont nos origines, la course en général, avec divers championnats du monde, avec différents pilotes connus. Et nous avons dérivé avec nos partenaires que nous avons conservés, Siemens et Saft, que nous avons amenés sur la glace, sur le trophée Andros, dans des conditions très difficiles, l'altitude, la glace, le froid, l'eau, tout ce qui était vibratoire, à un autre projet encore plus fou, qui est la Furtive GT avec le meilleur de la technologie européenne. Alors vous pouvez nous présenter votre voiture ? Alors la voiture c'est plus un objet qu'une auto, avec un châssis carbone, une carrosserie carbone intégrale, deux moteurs qui font plus de 400 chevaux, une boîte à vitesse 3 rapports, avec une vitesse limitée à 250 km/h, 3 secondes 5 de 0 à 100, un monstre de la route. Au niveau du freinage ? Freinage un peu plus d'un G2, donc là aussi c'est un des meilleurs freinages du monde si ce n'est le meilleur. Alors aujourd'hui, vous nous présentez le modèle quasiment fini, un modèle de série. Quelle est la prochaine étape ? Sa commercialisation, puisque nous démarrons dès demain sa commercialisation sur le mondial de l'automobile. Beaucoup de roulage, évidemment, encore beaucoup de tests et les premières livraisons qui interviendront au milieu d'année 2013. Très bien. Alors à qui s'adresse cette voiture ? Quel est votre client type ? C'est une clientèle de passionnés, de belles automobiles des clients qui sont curieux d'avoir de nouvelles sensations. Une fois qu'on a essayé ça, on a du mal à revenir vers le thermique, même si on adore les V12, les V10. C'est vrai que c'est fabuleux d'entendre la sonorité le premier quart d'heure. Croyez-moi qu'on se fait très vite au couple de la Furtive GT et que c'est incomparable sur route à un véhicule thermique. En résumé, c'est charme, luxe et volupté made in France. C'est effectivement du Made in France avec de la haute manufacture dans tout ce qui est habitacle et au contact, avec un choix de personnalisation quasi sans limite, avec de belles peaux, une sellerie intégrée à notre manufacture. Et au niveau du tarif ? Au niveau du tarif, nous sommes à quasiment un peu plus de 400 000 euros TTC. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire un dernier mot sur le choix d'une boîte de vitesse pour une voiture électrique, ce qui n'est pas courant aujourd'hui ? Non, effectivement, je pense que c'est la seule boîte, en tout cas de ce type, à être utilisée. C'est la première fois. Nous avons mis ça au point, nous avons développé ça en interne. C'est une boîte sans rupture de couple. Alors pourquoi le choix d'une boîte de vitesse ? Tout simplement, comme un moteur thermique, si on veut en tirer le meilleur parti, et surtout rester dans un rendement qui est exceptionnel avec les moteurs Siemens de l'ordre de 98%, pour toujours rester dans la plage de rendement optimum et accélérer très fort, nous en passons par une boîte pour augmenter le couple mis à la roue sur des pneus Michelin qui ont été développés spécialement pour encaisser ce surcroît de couple à 0 tour minute. N'oubliez pas qu'un moteur électrique est capable de délivrer le couple maxi de 0 à 5000 et de 5000 à 10000 la puissance maxi. Très bien. En tout cas, on vous remercie beaucoup et on vous souhaite un énorme succès avec cette voiture. Merci à vous. Je vous remercie.